C'est quoi ce plan de barrer l'accès de la cuisine? Tu as encore dû trop manger, Gorgeous, et tu fais un cauchemar. Branche le circuit de surveillance vidéo, Bud. Essayons de tirer ce mystère au clair. Gorgeous n'a pas rêvé. Il y a des barreaux partout. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme ridicule? Quoi de neuf, Ernie? Je sens que ce soir, tu vas te régaler, mon vieux. T'as du canard à l'orange. Charles Hubert, tu sais que j'adore la cuisine de la prison. Oh, ils ont un drôle de genre, c'est des artistes, sans doute. Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stéréo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Ouais, ben je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Et tu veux dire cette fenêtre, Ethno? Ça va, Ernie? Y a rien de tel qu'un peu d'exercice pour vous ouvrir l'appétit, pas vrai? Et ne force pas trop quand même, tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai, je me sens un peu faible, qu'est-ce qu'il y a à manger? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'il parle pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. Oh, l'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. Oh, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Oh, super! Oh, des crêpes à la sûre. Merci, Charlup, t'es mon pote. Hey, mec, t'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? Mais va de... Oh mon Dieu, non! Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulages de tortue au chocolat que tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc, attendez-moi là. Hé, Charlup, tu serais d'accord si je m'évadais? T'es assis sur mon plumard, machin. Pardon, j'ignorais que c'était le vôtre. Hein. Nous, les nouveaux, on les mate. Aïe! Oh non, non, pas la tête! Aïe, aïe, non, pas la... Oh. Lui, il a de la carpe farcie. Pendant que nous, on se tape des faillots. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatars de Cassiopée. Ah, oh, je viens d'avoir une idée. On mastique un peu avec beaucoup de salive
et admirez le travail. La clé de l'évasion. Et il est pas vrai, Gugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu félin? Pas question de t'emmener tout ça. Non. Oh, c'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Au revoir, Charles Hubert. Tu sais, jamais je ne t'oublierai. Hey, Charles Hubert! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit grouiller de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Salut, je m'appelle Candy, hein. Et vous, comment vous appelez-vous, hein? Hé, tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Je sens que je vais bientôt craquer. Dépêchez-vous, les gars. Dépêche, on ne tiendra pas très longtemps comme ça. Ça y est, je suis. Oh punaise, balance pas cette enclume. Non, t'es dingue. J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Vous avez réussi. On s'est bien amusé. Mais il faut que je regagne ma cellule, parce que demain est un jour pas ordinaire. C'est le dernier que je vais passer ici. Et je voudrais pas manquer mon gueuleton de libération. Il y aura des gâteaux et des glaces. Charles, ouvre-moi. C'est moi. Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, banane. Lorsque tu rouvriras les yeux, tu seras toujours au pénitencier, hein. Distribution du courrier. Il y a une carte postale pour vous, les gars. Je me demande qui nous l'envoie. On reçoit jamais de courrier. Thank you.
Ici la Terre, stop. Demandons évacuation immédiate de notre planète, stop. Envoyez secours aussi vite que possible, stop. C'est urgent. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui nous envoie des parasites? Ce n'est rien. Candy vient de brancher son sèche-cheveux. Candy, tu pourrais faire ça en dehors des heures de télé, non? Candy! Candy! Quelqu'un m'a appelé? Qu'est-ce que t'as à la tête? C'est la coupe de douille la plus grotesque que j'ai vue de ma vie. Non, mais tu t'es regardé. Oh, tu peux parler là, avec la coupe de cheveux que tu as. Ah, bien essayé, Candy. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a longtemps que j'ai plus un seul. Cheveux! Cheveux? Qui c'est le petit rigolo qui s'amuse à ça? Je te préviens, Stéréo, j'aime pas qu'on se paie ma tête. Et pourquoi voudrais-tu que je me paie ta tête, Gorgeous? J'ai suffisamment des deux miennes pour m'occuper. Parce qu'en plus, monsieur fait de l'humour. Et t'as l'air de trouver ça très drôle, eh ben je vais te dire, c'est triste. Les gars, vous pouvez préparer vos valises. Notre vaisseau apparaît ce soir. T'espères pas me faire partir en croisière avec la tête que je me trimballe? Non, Gorgeous, tu n'y es pas. Réfléchis, des cheveux qui se dressent sur la tête. La langue sèche. Ha! Ne me dites pas que vous avez oublié. C'est une réaction instinctive à l'approche d'une soucoupe volante. Elle atterrira dans notre jardin. J'ai lancé un SOS à notre planète. On nous envoie une équipe de secours. On va enfin retourner chez nous. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, vite, pincez-moi. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Oh! Bienvenue à nos sauveurs. Oh, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de votre venue. Et je vais être le premier à vous serrer la main. Hé, hey, les gars, où vous courez comme ça? Les pauvres doivent avoir envie d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils se reposent. Le voyage de retour va être fatigant et long. Auriez-vous l'obligeance de répéter un peu plus distinctement? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce trou à rats? J'ai l'impression qu'ils ont encore besoin de se détendre un peu. Voyons cela. Cette équipe de secours a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas des plutoniens à tête de haricot, ni des observateurs de Jupiter, ni des oiseaux de mauvais augure si courants sur Terre. C'est ça! Ah, j'aurais dû m'en douter. Des Vénusiens. Les créatures les plus ignobles, insouciantes et imprévisibles de tout l'univers. Il va falloir nous en méfier. Ces fous dangereux ont déjà détruit 3 systèmes solaires. C'est ta faute s'ils sont venus juste ici. Grâce au stupide SOS de monsieur, en plus des humains, on a les Vénusiens sur le dos. Calme-toi, Gorgeous, voyons. Si j'en crois cette encyclopédie, la diplomatie peut venir à bout de ces redoutables destructeurs. Tu as vu ce qu'ils ont fait de mon miroir d'époque, hein? Prends sur toi, Candy. Il ne faut surtout pas énerver ces gens-là. Excusez-moi, il y a un petit malentendu, je le crains. Nous avons fait un faux numéro. Aussi, je vous suggère de repartir chez vous. Désolé, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi, si. D'ailleurs, je comprends et je parle plus de 7 millions de langages différents. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, crâne d'obu? Allez, vas-y, traduis ce qu'il dit. Stéréo, demande-lui jusqu'à quand il va rester ici. Donne-toi, Anik-Nak, Atina-Ganadina-Atinak. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais 152 ans? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit.
Non, ne mangez pas ça. C'est de la nourriture pour terriens. C'est très mauvais pour la ligne. Regardez. Qu'est-ce qui me baragouine, ce monstre? Il dit que tu lui rappelles une pourriture infecte et nauséabonde totalement débile qui dérivait dans l'espace. Totalement débile? Et c'est lui qui me traite de débile? Mais je rêve! Les grosses taches de ton espèce devraient être exclues de la Confédération Galactique! Hey, c'était ma dernière canette de soda. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez pas honte de toucher par terre comme ça? Ils m'ont transformé en hot dog. Ils ont mis de la moutarde douce. Oh, c'est de la moutarde forte qu'il faut ou c'est dégoûtant. Non, arrête de couiner ou je te mange pour le dîner. Tu redeviendras normal dans 2 minutes. Ça sera un véritable challenge. Nous devons nous débarrasser de ces Vénusiens. Mais de quelle façon? Je sais comment nous allons faire! Oh, félicitations, Candy. Comment tu comptes faire décoller cet engin? Ça suffit! Oh, j'en ai plus que marre de tes réflexions gorgeuses. Parce que critiquer, tu sais. Mais alors, pour ce qui est d'avoir des idées... Ça y est, on vole. Super! Félicitations, Candy. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Mais si c'est aucun de nous, qui est au commandement? Trouvez-moi vite la pédale de frein. Enfin, ça y est, on a réussi à se tirer de ce trou pourri. Allez, simple, on rentre chez nous, les copains. Ah, t'as vu cette soucoupe volante, Orville? C'était pas une soucoupe volante, Wilbur. C'était un vol de babouins sauvages qui migrait vers le sud. Merci pour la balade, les gars. Bye bye, envoyez-nous des cartes postales. Maintenant, où on va? Ah, on arrive juste à temps. Le marchand de glace vient livrer ma commande. Oh non, ça m'étonnerait, Gorgeous. Tel que je connais ces Vénusiens, ils nous réservent sûrement un mauvais coup. Oh, je le crois pas. Vous êtes de vrais extraterrestres, c'est vrai? Waouh, c'est trop cool. Oh, conduisez-moi votre chef. Vous êtes comme dans Star Trek? Quand le capitaine Kork a abattu les Norgs? Oh là là, c'est mon épisode préféré. Oh non, j'aime encore mieux l'épisode 5 avec le capitaine Kork qu'on va les monstres à tête de... Waouh, j'adore, c'est encore mieux que dans les films. J'en reviens pas, vous êtes trop cool, les gars. J'en ai assez, cette fois ça suffit. J'en ai ras-le-bol, vous êtes allé trop loin avec vos anneries. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Regardez, des Vénusiens géants, on est fichus! Je n'en suis pas si sûr, Candy. Regarde! Ce n'était que des enfants, en réalité. Attendez, il faut absolument qu'on fasse une photo ensemble! Oh, tu es sûr et certain que cette fois, ça va marcher, non? Aucun souci, Bud. J'appelle sur une autre gamme de fréquences. Aucun risque de tomber sur les Vénusiens. Je sais ce que je fais. Oh!
Ok, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors cool, relax, vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. Ok? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes? Nous semblons être en présence d'humanoïdes. Si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération guttérale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux là. Ah oui, regardez, les humanoïdes. En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. Des si belles, cuir noir, boucles d'oreilles. Oh! Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S. S, oui. O. O. S. S. Police. Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas, par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire, l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais. Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Steger, le roi du rock'n'roll. Slick Steger, le roi du rock and roll. C'est Slick Steger. Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde.
And don't it find a big head lift, oh yeah. Louder, 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 oh yeah. Baby, it's the find that's on me very high, but so loud to tell, oh yeah. Somehow I found a baby time, oh yeah. Purée, mec, c'est glauque. Oh, oh, il est raide horizontal. Oh la vache, il y a notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur. Géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Allez, voilà. À vos postes. Purée, c'était trop fou en délire. Super cool, le concert. OK. Salut, les garçons. On joue ensemble. Ah, oh, vous attendez depuis une belle fois. Yeah! Musique country. Yeah! Oh. Attendez-moi, les mecs. Vous pouvez pas me laisser avec ces monstres. Tu vas arrêter ce truc, oui. Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs. Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, un culte agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Oh! Ouais, j'aurais aimé avoir une idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Oui, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh,
Oh zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Hein? Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourrais dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, monsieur. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça, alors j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine, ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très, très barbare. Oh la vache, vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes. Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Ah! Qui cela peut-il être? Oui! Oh! Vous devez régler votre impôt. Laissez la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Oh ouais, oh, ça c'est top. Oh super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais Sir Gorgeous, comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. À qui ai-je l'honneur? Par décret de Sa Majesté Royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Oh, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Ah.
voir. Ah, c'est un petit veau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel d'Hockey Cora. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un brique de jus de poulet au gras avec une paille. N'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparissant d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, y a un problème. Y a que deux boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Appuie sur l'autre bouton! Ah! Ethno, fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Pour aller ouvrir. Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot. Et vous, vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas, il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors.
Et voilà! Le tube de dentifrice géant. J'adore. Et en plus, je ne me brosse jamais les dents. Où sont passés mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, 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 mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant moi-même? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais. Godjus, non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu. J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Encore Juice, espèce de violeur d'intimité. J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé. Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu confirmes maintenant? Bonne nuit, j'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles. C'était pas la petite. Ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommades. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour, monsieur, je suis Robert... Ah, c'est parfait, marché conclu, revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. La maison a disparu. Yeah, yeah. Hey, et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Aïe! Hey, par ici.
Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Oui, ça a marché! Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Edouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Oui, bah, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Edouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais, et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté! Quel coup de bol! Regardez, il y en a un autre là! But! Il y a un canard sur la douane! But! Une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Oh, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes.
Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillot. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. Mais si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Crâne les goûts et les couleurs. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Oh, voulez-vous que les Léo chantent? Non! Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment, t'es sûr que c'est ça le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, c'est vous, le centre de la Terre. Non, il faut bien 3 jours de masse pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de fils dans les petits mollets tendus comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh! Moi, c'est Eddie! Et c'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous amusez-vous une fois, deux fois, trois fois, une fois, des frites! On peut faire l'espoir ensemble, ça serait bien, vous savez. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant? Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter! Proposition de suivre toi, ami! Ah oui, à la route, hein? Frites! Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite! T'as vraiment de la chance, toi! Et mardi, t'aurais pas une laisse! Dites, frère, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules, une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous. Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Les toi, ça est vendredi, ça c'est pas un mancake pizza en peluche. La petite tête vient de l'aéroparty et ce n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Hein. Dites, frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Fernande, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverais peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous, maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moules. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. De ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pu, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillés. Tu disais quoi? Que
ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés, niveau... Ouais, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le phalacoque de sa vie. Oh, hello, moi c'est Gorgeous. Comment ça va, vous? Je remettais votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Bonjour. Tu dois cruche au service de l'immigration, gendarmerie nationale. Et vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, le plus grand famos magicien. Regardez bien, vous voyez cet ouf? Et au couche-pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable! Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Jeannine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Jeannine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Jeannine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous, une fois... C'est quoi ça? Oh Léa, tu plaisantes, ça est le noyau, hein, le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate, c'est très décevant. Mais il y a une fuite, c'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est Lady, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que ça est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu pars de cette ridicule boule de poil ou... C'est moi qui tiens le guidon, allez, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Grande verdomme, en route vers la surface des moules et des frites, note la route, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, bud? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est Pouta qui est venue. Oh, salut, Jeannine. Vilain, ça me dit, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Grand Verdomme, il ne faut surtout pas tousser à ça, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollets, tu la fermes, hein? Allez, au secours!
Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein. Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous. Grande Ferdom, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé... Non. D'amis, je suis heureux comme un colibri parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit, hein? Pourquoi, hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de... De mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. L'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très très mignons, tous les trois. Pas toucher. Ah, oh, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noire, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça. C'est du matos de peau, pas les jojo, fillette. Allez, mon vieux gars, et moi, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243. Retour d'affection. For life, c'est Spumta. Oh, c'est le sort, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve ici. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
pensais qu'on allait t'oublier. Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh! Oh! C'est trop sympa! Une belle ventouse toute neuve! Oh! J'y crois pas! Et pour notre candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. J'en rêvais, comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Andy. Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse, c'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire. Mais Bégonia. Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 euros l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes frontières, ça nous fait un total de 1 782 177 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire, je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour, mais chez moi un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà! Jusqu'au dernier sou! Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Non, parfait! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, ah, je non, non, ne paniquons pas! Détendez-vous, c'est rien du tout! Ouli, ouli, ramazazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Candy, elle doit être en...
La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Cody, on l'aime, Cody. Ami à nous, Cody, on l'aime, Cody. Clara Boss, je présume. Oh, maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? J'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors? Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant?